before us the opportunity to forge for ourselves and for future generations a new world order, a world where the rule of law, not the law of the jungle, governs the conduct of nations. When we are successful, and we will be, we have a real chance at this new world order, an order in which a credible United Nations can use its peacekeeping role to fulfill the promise and vision of the UN's founders.
Chers amis, la Bible enseigne que le monde s'en va inexorablement, non vers la paix, mais vers une guerre ultime, de cataclysme, un Armageddon décrit au chapitre 7 de l'Apocalypse. Et avant d'arriver au paroxysme, cet holocauste, les choses iront en se détériorant. Les choses vont aller de mal en pis, le monde s'enfoncera toujours de plus en plus dans le chaos, la confusion et le péché. Plus on approchera de la fin, les guerres vont augmenter. Le taux de criminalité va monter en flèche. Les crises économiques seront de plus en plus graves. Les catastrophes naturelles sans précédent, tremblement de terre, inondations, famine, épidémies, pestilences, tout cela a été décrit dans la parole du Seigneur. Et toutes ces calamités marqueront le déchaînement de la colère de Dieu sur notre monde impie.